Bonjour à toutes et à tous, voilà, aujourd'hui, nouvelle news, on va parler de rumeurs aujourd'hui. Oh mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe Ranger? Bah ouais, vous l'avez vu le petit macaron? Voilà, ça y est, je l'ai ajouté, je l'avais dit en début de semaine que je l'allais le faire. C'est chose faite, bah comme ça, personne ne pourra dire que je fais des fake news, etc. Parce que c'est marqué rumeur. Voilà, et quand ça sera officiel, et bah ça sera marqué officiel, là-haut. À droite, voilà, comme ça maintenant tout le monde est content. On pourra plus dire que je fais du grand n'importe quoi. Là, ça sera officialisé, c'est marqué rumeur. Ouais, bon, voilà. Ça, on pourra plus rien dire. D'accord? Bon, allez, on va parler. Oui, parce que c'est une rumeur, donc pas des rumeurs, une rumeur. Là, cet après-midi, parce que on va parler de la Nintendo Switch 2. Enfin, potentiellement appelé Switch 2 parce qu'on ne sait pas encore le vrai nom. Ce n'est pas officialisé. Donc on va voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Je vous mets le petit reveal de la Nintendo Switch. L'ombre de la Nintendo Switch 2 se fait de plus en plus palpable. La rumeur gronde toujours plus autant de son annonce tant attendue qui pourrait être imminente. L'annonce pourrait être imminente. Vous savez ce que ça veut dire. Depuis quelques semaines, de nombreux faisceaux d'indices laissent à penser que le géant japonais pourrait enfin bientôt présenter officiellement au monde sa fameuse Nintendo Switch 2. Alors que la PS5 Pro pourrait faire son apparition très prochainement, il semblerait que les autres constructeurs de consoles s'y mettent aussi. Alors que la rentrée de septembre s'annonçait déjà chargée niveau sortie jeux vidéo, il se pourrait qu'elle le soit également en annonce de console à venir. Tout porte à croire que Sony annoncera sa PS5 Pro à l'occasion de son prochain State of Play d'ici quelques jours. Voilà. Tout le monde s'en doute un peu, mais j'y crois pas trop moyen sur ça, mais bon, on n'est pas là pour ça. Tandis que Big N tenait un Nintendo Direct mélangeant un Indie World et un partenaire showcase fin août. Il se pourrait également que la firme Nippon soit enfin prête à présenter officiellement sa très attendue Nintendo Switch 2. C'est en tout cas ce qu'avance Christopher Dring, directeur éminent de l'influence site Games Industry. C'est pas moi qui l'invente. Encore une fois, je cite ce qu'il a dit. J'ai entendu des rumeurs de l'industrie comme quoi quelque chose en rapport avec la Nintendo Switch 2 aurait lieu ce mois-ci. Dernièrement, de nombreux indices laissent en effet à penser qu'une annonce à son égard pourrait être proche. D'un côté, sa production devrait démarrer ce mois-ci, ce qui est logique, hein? Parce que si tu veux vendre des consoles, il faut démarrer la production au plus vite. De l'autre, de nombreux développeurs ont déjà un premier contact avec la bête. Ça, c'est tout à fait normal aussi, parce qu'il faut les jeux avec le line-up. Bien entendu, toutes les étoiles sont donc sur le papier alignées pour que la console très attendue se présente enfin comme il se doit au monde. Compte tenu de l'influence de Christopher Dring et de sa connaissance profonde de l'industrie, son pronostic ne sera en tout cas pas hors de propos. Ne reste cela dit plus qu'à attendre une confirmation officielle de la part de Nintendo et de voir dans quelle mesure la Nintendo Switch 2 sera annoncée. Aura-t-on droit à une démonstration de sa fiche technique renforcée, une date de sortie précise ou un prix que l'on attend beaucoup plus élevé que sa grande sœur, ce qui est normal. Réponse potentiellement très bientôt autour de cette Switch 2 qui se fait ardemment désirer. Voilà! Voilà. C'est Christopher Dring qui le dit. Eh ben, vous savez quoi? On va surveiller tout ça avec impatience. Parce que moi, cette Switch 2, je l'attends. Et non. Mais bon, je l'attends énormément parce que cette console me fait rêver.
Infernus, j'ai adoré la Nintendo Switch. J'y joue pratiquement tout le temps. Parce qu'en tant que parent, avoir une console qu'on peut jouer dans sa salle de jeu sur un écran docké, et en tant que parent, jouer en mode portable dans son lit au soir, ça c'est très pratique. Là, Nintendo, ils ont tout compris. Ce qu'a fait PlayStation avec sa pièce portable. Portal. Voilà. Maintenant, eh ben, on va voir si tout ça se confirme. Donc apparemment, ce Christopher Dring, ça serait quelqu'un de connu dans l'industrie. Voilà. Donc ce qui veut dire, c'est qu'au mois de septembre, ben, on risque d'avoir une annonce. De quoi? Je ne sais pas. Ça me paraît un peu tôt parce qu'il y aura les fêtes de Noël. Donc on verra ça, on va suivre le sujet comme il se doit, parce que oui, comme je vous ai dit, la console Nintendo Switch 2, elle est très attendue. Et moi, je voudrais savoir de quoi elle retourne, de quoi elle est, parce qu'apparemment, au niveau de la fiche technique, elle serait aussi puissante qu'une PS4 et une Xbox One. Vous imaginez, les gars? De toute façon, elle n'a pas le choix. Niveau puissance, puisque si elle veut que les éditeurs tiers suivent, elle n'a pas le choix. Pour mettre les gros jeux actuels. Déjà, Nintendo Switch de base, commence à souffler. Alors là, faut qu'il fasse ouais, un gros gap, pardon, grap, pas grap, c'est une grappe de raisin. Un gros gap niveau puissance. Et là, je pense que Nintendo attira à prendre bien parti. Je pense qu'ils vont pas faire la même erreur que la Wii U. Ça, je ne pense pas. Je crois qu'ils ont bien compris. Et là, je pense que cette future Switch 2, eh ben, elle est bien partie pour rejoindre sa grande sœur dans les voies célestes. Waouh, ça c'est beau. Voilà, mes amis, merci à tous. Des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et on se retrouve dès que ça sort. Voilà. Parce que oui, ah oui, j'ai oublié de vous dire une chose. À partir de demain, il n'y aura plus les news gaming à 7h. C'est terminé. J'ai voulu essayer. Bon, dans la vie, il faut essayer. Hein. Tout le monde fait des erreurs. J'ai voulu essayer, ça ne matche pas, les vues ne sont pas là. Donc je vais faire comme avant, les vues ils étaient là, quoi, mais j'avais pas des vues faramineuses non plus. Mais là j'essaye de. Comment dire ça? J'essaye de voir ce qui va pas avec les vues. J'essaye de changer les choses. Voilà. Ça va pas se faire en 3 jours, les amis. Je sais que j'ai fait des erreurs sur ma chaîne, je le reconnais moi-même. Je sais que j'ai fait des erreurs que j'aurais pas dû. Et là, je suis en train de rectifier le tir. Voilà. Et on va mettre ça en place petit à petit. Il faut que le temps que les vidéos se mettent dans l'algorithme YouTube. Et bah après, ça sera parti mon kiki. Voilà. Moi, les abonnés, je m'en fous. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Si vous voulez pas, bah, c'est pas grave. Regardez la vidéo, si vous voulez pas vous abonner, je m'en fous. Voilà, moi je veux que ce soit les vidéos qui soient vues, même si les vidéos sont faites pour moi par passion, avant tout. Voilà. Bon, après, voilà, si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. Je vais pas mourir pour ça. Mais voilà quoi. Donc voilà, c'était juste un petit point que je voulais préciser dans cette vidéo. Mais voilà, on en reparlera plus longuement, parce que oui, à la rentrée, enfin, on est à la rentrée, à partir de lundi, mardi, je serai en live avant les news. Voilà, ça pourra permettre de discuter au sujet de la chaîne, qu'est-ce que je peux faire, etc. On discutera tout ça avec vous. Ok, ça marche. Voilà, des gros bisous, portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.